Alors, dans ton compte Glitch, si tu vas à ton dashboard, tu devrais avoir ton projet. Si tu commences à avoir beaucoup de projets dans Glitch, c'est une bonne idée de renommer tes URL. Comme ça, tu es au courant. Donc, je vais faire ça. Donc, si je vais dans Settings, Edit Project Details, je peux, au lieu d'utiliser ce que Glitch me donne, je pourrais le renommer. Donc, je l'ai appelé projet 10.glitch.me. Tu peux l'appeler ce que tu veux. Donc, si je retourne, on se souvient que c'est la page index qui est intéressante pour nous. Donc, on se souvient qu'on avait utilisé le code pour créer déjà quelque chose. Donc, si on regarde notre page, je devrais avoir un titre, un système d'équation. Donc, maintenant, je vais en fait. On veut deux, on a résolu le système d'équations de fonction du premier degré, de droite, avec une démonstration par substitution. Alors, on va ajouter à notre projet. Première chose que je vais faire, je vais mettre un, ça c'est mon grand titre, je vais mettre un sous-titre parce que je veux faire ce système et on va avoir un deuxième système qu'on va faire. Et je vais aussi ajouter, pour la démonstration algébrique, la méthode d'élimination que tu connais maintenant. Alors, on va faire pas mal de copier-coller puisqu'on a déjà fait le travail. Ici, si je me souviens bien, on avait, bon, ici, démonstration algébrique. Alors, j'ai mon paragraphe. Je vais en dessous de ce paragraphe ajouter un deuxième paragraphe. Donc, je peux juste copier-coller le même paragraphe. L'espacement n'est pas important dans le code HTML, mais je vais quand même essayer de respecter une convention quelconque. Voici la résolution du système d'équations avec la méthode algébrique. Puis là, on va juste changer ça. Puis on va dire la méthode algébrique par élimination. Et bien évidemment, le lien que toi tu avais, c'était un grand lien, tu peux le supprimer et tu vas ajouter ton nouveau lien vers ton travail que tu vas héberger en quelque part. Donc, tu auras dans Assets, tu vas avoir, tu as déjà ton travail que tu as fait à la main. Tu vas en téléverser un autre et puis de là, tu pourras aller chercher le lien que tu vas copier et que tu vas, moi, je n'ai rien, mais vous autres, vous allez avoir votre travail algébrique. Ça peut être un PDF si c'est plusieurs pages et ensuite, vous allez retourner ici et vous allez le mettre à l'intérieur de Bref. Alors, si je regarde en ce moment, je fais un refresh. Voici la résolution de l'équation avec la méthode algébrique par élimination. Donc, ça n'a pas besoin d'être la même phrase. Tu peux l'écrire dans tes propres mots. Tu peux changer. Tu peux. C'est pas grave, mais en autant que j'ai ces deux liens-là et que c'est clair ce que tu es en train de faire. Là, je veux juste ajouter un sous-titre en dessous de système d'équation. Donc, je vais juste aller à. Je vais faire une recherche, j'ai appuyé sur CTRL F, système d'équation. Oups, ça me le trouve pas. Donc, je vais rechercher moi-même. Où est-ce qu'il est mon système? Il est ici, H1. OK, donc je vais juste copier le H1. CTRL C. Je vais mettre en dessous. OK, je vais mettre H2, juste pour que ce soit un peu plus petit. C'est mon header 2, ça veut juste dire que ça va être un en-tête plus petit. Et je vais appeler ça système. Ensuite, je vais appeler ça fonction. J'allais dire fonction affine ou bien on peut dire équation, système d'équation linéaire, c'est ce que je veux dire. Donc, tu n'as pas besoin d'utiliser le même sous-titre que moi. Système, tu peux. OK, puis je vais mettre un S pour le premier, puisqu'on a deux systèmes. Et on va aller voir ici, refresh. Donc, système d'équation linéaire. Je trouve ça trop gros, donc je vais jouer avec la taille. Au lieu de H2, je vais peut-être essayer même un H6. Je pense que c'est peut-être à cause que j'ai la classe à l'intérieur. On va voir.
Ouais, on va enlever à l'intérieur de H6, class égale title, je veux enlever ça. OK, on est en train d'utiliser un style que je ne veux pas. OK, voici. Donc là, il est trop petit, je vais remettre un H2. Mais j'ai supprimé ce que ça disait à l'intérieur, si vous avez des questions. There you go. OK, donc système d'équation linéaire et j'ai eu ceci, démonstration. Ça, c'est le graphique, bien sûr, et démonstration algébrique. Je vais copier tout ça. OK? Donc, je vais copier à partir de le H2 que je viens de créer jusqu'à ce P-là. OK? Donc, voici la résolution. Je vais copier et directement dessous. OK, donc je m'assure que je suis à l'intérieur de ces balises div. Donc directement dessous, je vais recopier une deuxième fois. Donc si je regarde maintenant ma page, je devrais avoir exactement la même chose deux fois. Donc je veux évidemment pas la même chose deux fois. Je vais changer ici, ça va être un système d'équations linéaires et du second degré. Donc je vais changer mon titre, système d'équations. J'ai une équation linéaire et du second degré. Et puis, on va aussi, pour celui-ci, on aura une seule. Ouais, on va juste faire avec la formule quadratique. Donc, on aura une seule méthode algébrique. Donc, je peux supprimer la duplication. Donc, je m'assure de supprimer les balises paragraphes. Voici la résolution du système d'équations avec. La formule quadratique. Et on va aller voir. Refresh. OK, système d'équations linéaires. J'ai mes deux méthodes algébriques par substitution, algébrique par élimination. Et système d'équations linéaires et du second degré. Je vais changer ceci pour voir mon fantôme, démonstration algébrique, avec la formule quadratique. Mon fantôme, il est ici. Je vais juste m'assurer d'enregistrer. Je vais appeler ça parabole et droite. Enregistrer. Et je vais partager. Je vais aller cliquer sur incorporer. Je prends le iframe et je vais aller intégrer ça dans le glitch. Donc, ça devrait être le deuxième. Donc, j'ai fait une recherche pour iframe ici. C'était le deuxième. Donc, je remplace au complet la ligne. Donc, je peux la supprimer complètement. Et je vais coller le nouveau. Et maintenant, j'ai terminé ma page web. Il me reste juste à aller. Donc, système d'équations linéaires. On le voit ici. On a notre méthode algébrique substitution, élimination. Ça, c'est fait à la main. Ça devrait être bien fait. Ici, j'ai mon système d'équations et j'ai maintenant la résolution du système avec la formule quadratique. Si jamais tu veux prendre mon code et juste le modifier, tu peux toujours venir sur ce lien et cliquer Remix on Glitch et tu aurais accès au code. Ou bien, si tu fais Ctrl U, tu peux copier mon code HTML et le modifier au besoin.